Dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter une image dans une forme sur Canva. Alors pour cela, tu vas déjà commencer par te connecter à ton compte Canva tout simplement. Puis ce que tu vas faire ici tout simplement, c'est taper sur créer un design. Ok. Alors si tu vas choisir déjà le type de design que tu souhaites créer, je vais tout simplement choisir ici vignette YouTube par exemple. Tu peux choisir le type de design que tu veux créer dans cette fenêtre là. Alors ici maintenant, nous avons donc notre espace de travail tout simplement. Ici, ce que je peux faire, c'est déjà créer mes designs, tout simplement, pour mes miniatures. Alors, ce que je vais faire ici, tout simplement, c'est prendre une photo. Tout simplement, je vais par exemple prendre cette photo-ci. Alors, maintenant, si je veux ajouter une forme ici, ça va être facile. Je vais venir déjà sur éléments, tout simplement. Ok. Maintenant, je vais voir les différentes formes ici, tout simplement, comme tu peux constater. Alors, je vais taper sur afficher tout. Tout simplement, puis tu vas retrouver tes différentes formes ici. Alors, ce que je vais te conseiller de faire, c'est plutôt sortir de là, puis tu vas descendre tout en bas jusqu'à ce que tu vas retrouver cadre, tout simplement. Je vais supprimer ceci. Ok. Ok, je vais supprimer ceci, puis je vais ajouter mon cadre, comme tu peux constater ici. Maintenant, lorsque tu auras ajouté ton cadre, ce que tu vas faire, c'est prendre ta photo, tout simplement. Alors, je vais remonter. Je vais rechercher ici image ou encore photo. Afficher tout. Alors ici je vais rechercher par exemple une image. Je vais par exemple rechercher ici portrait homme. Portrait homme tout simplement. Maintenant je vais par exemple prendre cette image ici. Ok, cette image ici. Ce que je vais faire, c'est déplacer cette image ici vers ma forme tout simplement. Alors je vais laisser l'image ici. Comme tu peux voir, la photo a pris parfaitement la forme de notre cercle tout simplement. Alors si tu sens que c'est pas bien centré, tu peux double cliquer sur la photo et là tu vas pouvoir recentrer cela comme ceci tout simplement. Alors c'est aussi simple que ça.